Alors, bonjour à tous. Donc, je vais me connecter sur Facebook, sur le groupe Arc-en-Ciel. Sais pas si tu vois, on va voir après. Alors, diffusion sur Arc-en-Ciel. Vibra et on est le 18 08. Et je vérifie. Non, mais là, il le met directement sur le groupe et l'enregistrement. Alors, est-ce que je suis sûre? Ouais, c'est bon. C'est parti. Là, je ne le vois pas. Alors, bonjour à toutes. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Marie. Je vois que tu as retrouvé le bon lien. Alors, je ne me vois pas sur Facebook. Où est-ce que je suis? On va recommencer. Est-ce que quelqu'un peut regarder s'il me voit sur Facebook, sur le groupe Arc-en-Ciel? Moi, je ne me vois pas là ce matin. Alors, Je sais pas, moi je pense que je suis sur Facebook, non? non, non, c'est Marie. J'ai sur Zoom. Ah oui, c'est vrai, exact. Bonjour, bonjour les amis. Bonjour. Bonjour Adeline, bienvenue. Donc j'en étais à voir si j'étais. Oui, c'est bon, je suis bien en direct sur Facebook aussi. Et bonjour Karine, super de te trouver là. Alors, Marie. qu'est-ce qu'il y a? Oups. Qui c'est qui est là aussi? Non. Ah mince. Ah oui. Comment je vais faire pour voir les commentaires? Bonjour les amis. Bonjour Adeline, bienvenue. Donc j'en étais. Ah, excusez-moi, vous allez m'entendre Ça en duo, ça fait un peu bizarre. Mais... Donc je vois que Karine est là, j'ai cru voir que Laetitia était là et je n'arrive pas à avoir accès aux autres commentaires. Bon, on va laisser faire. Je qui est sais là pas. Je sais pas. D'habitude, j'y arrive, mais là, ça ne marche pas. Bon. Coucou Nathalie, bienvenue Nathalie. Alors, on recommence. Arc-en-ciel. D'habitude, j'arrive à voir les commentaires. Ah, voilà. Véronique. Bonjour Véronique. Ravie de te voir là, de te retrouver là. Et donc, Laetitia, c'est bien ce que je pensais. Hello Laetitia et hello Karine. Bon, et bien, bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle Vibra, ce nouveau rendez-vous du mardi matin. Alors, je vais ouvrir. Alors, si vous avez envie de chatter un petit peu pendant la Vibra ou avant ou pendant ou après, de partager vos ressentis ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit mettre des commentaires sur Facebook, soit ouvrir la boîte conversée là, du chat sur Zoom pour pouvoir voilà, partager ce que vous êtes en train de ce que vous avez en vous. C'est tout à fait possible. Alors, aujourd'hui, eh bien,
je pense que vous avez dû recevoir ma newsletter. Enfin, en tout cas, vous l'avez reçue, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais vous l'avez reçue, c'est sûr. Enfin, ma fameuse lettre du lundi et qui a démarré donc hier, officiellement hier, où je parlais des résistances et du processus des résistances. Et comme je sais que c'est quelque chose qui nous anime tous, qui nous... Comment je dirais, que nous traversons tous à un moment ou à un autre. J'avais envie d'en reparler peut-être en quelques mots avant de vraiment se relier à l'intérieur pour sentir, pour éventuellement sentir là, les résistances qui pourraient être là, les blocages qui pourraient être là pour aller au-delà, évidemment. Hein. Mais avant ça, redonner quelques mots en lien avec ce que j'ai écrit hier. Puisque hier, vraiment, au moment où j'ai ouvert mon ordinateur, enfin, c'était dimanche, en fait, où j'ai ouvert mon ordinateur pour aller dans le sens de cette décision et dans le sens voilà, du choix que j'avais fait et du focus que j'avais fait, puisque ça, c'était mon propos la semaine dernière. Pour aller dans ce sens-là, eh bien, j'ai donc décidé d'écrire une lettre tous les lundis, tous les dimanches pour le lundi, pour nommer un peu, alors dans mon idée, c'était plutôt nommer comment je sentais les énergies du moment, la semaine, etc. Et puis, au moment d'écrire ce mail, eh bien, j'ouvre mon ordinateur et là, enfin, même avant l'ordinateur, je sens un truc qui fait « waouh ». Mais en fait, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais raconter? Et puis, ça me saoule, mais pourquoi j'ai dit ça et pourquoi je devrais faire ça tous les lundis et qu'est-ce qui m'oblige à faire ça à part ma décision, en fait je vais peut-être revenir sur ma décision, ça sert à rien, de toute façon personne les lit, mes lettres et nanani et nanana et blablabla et blablabla. Et je suis sûre que vous connaissez ce fonctionnement. Vous me direz hein, si vous connaissez ce fonctionnement. Je vois le visage d'Adeline qui opine. C'est clair. Ce fonctionnement, on le retrouve tout le temps dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on a une idée, il y a un truc qui... Voilà, on a pris une décision, on a une idée, on a une envie. Et puis, instantanément, il y a ce qu'on appelle souvent la résistance. Mais la résistance, elle englobe plein de choses. Hein. Elle englobe plein de pensées. Elle englobe, bien sûr, des émotions. Elle englobe des conditionnements. Elle englobe des réflexes. Elle est en lien, bien sûr, avec nos blessures. Voilà. Tout ce bloc-là, comme disent les anglo-saxons, ce bloc, c'est ce que nous, on appelle des résistances. Et donc, à chaque fois qu'on va vouloir poser quelque chose pour nous, aller dans le sens d'une décision pour nous, et particulièrement quand c'est une décision qui nous amène à sortir de notre zone de confort, parce qu'en général, pour prendre la décision, je ne sais pas moi, de se faire un thé, bon, ça va, on ne met pas trop de résistance en général. Hein. Mais par contre, quand il s'agit effectivement de sortir de sa zone de confort, là, et qu'on prend des décisions dans ce sens, parce qu'on sent quand même qu'il y a un truc, parce que vous tous là, qui êtes à l'écoute aujourd'hui ou qui allez écouter cette Vibra en replay, vous savez, vous êtes connectés. Hein, on va être clair là-dessus. Vous êtes connecté. Vous avez accès à ce que vous ressentez de votre âme, de votre moi divin, de votre essence, de la lumière, des plans subtils, du divin. Ça, c'est OK. Vous êtes connecté. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de vouloir se connecter parce que ça, c'est déjà fait pour nous tous. Là. Vous êtes tous câblés et en plus, vous le savez. Le truc aujourd'hui pour la plupart d'entre nous, en tout cas des gens qui ont déjà ouvert leur conscience à leur réalité spirituelle, c'est d'incarner ça, d'accord ? C'est de le vivre, de l'incarner, de l'acter, de le diffuser, de le rayonner. Oups, j'en secoue mes lunettes. De le faire vraiment se vivre dans notre quotidien, donc dans nos actions du quotidien, dans nos relations, voilà. Et c'est là où est le challenge. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même là où c'est chaud. Hein. Parce que se mettre en méditation ou dans la nature pour se connecter à son moi divin, ce n'est pas si compliqué que ça pour nous tous. Par contre, le vivre dans ses relations et à Super U, c'est plus chaud. Donc, il s'agit effectivement
de voir comment on fonctionne, c'est vraiment le propos, c'est comment je fonctionne, comment moi, je laisse descendre cette information de l'illimité que représente mon moi divin, mon âme, dans ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire cette personnalité-là, ce corps-là, avec ce champ émotionnel-là, ce champ mental-là, cette histoire-là, etc. Et là, un des champs d'exploration merveilleux, c'est effectivement d'explorer quand on a des idées qui arrivent, quand on a des inspirations, des intuitions, comment je vais ouvrir le chemin, en fait, dire oui à cette inspiration pour que le chemin s'ouvre et que cette inspiration devienne quelque chose de concret. Et là, en général, apparaissent le gros blocus des résistances, des fois petits, des fois moyens, des fois énormes. Et donc, dans ces résistances, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne vais pas décortiquer ça, ce n'est pas le propos du jour. Le propos du jour va plutôt être de traverser le bloc et de laisser se remettre en circulation dans nos corps. Mais dans ce bloc, bien sûr, il y a nos émotions, beaucoup, souvent les peurs, tous nos conditionnements mentaux, je ne sais pas comment dire, enfin bref, tout ce qui vient de là. Tout, évidemment, les conditionnements de notre éducation, de notre lignée, conditionnement social, tout ce qui est de l'ordre de nos blessures et qui réactive conditionnement, éducation et fonctionnement d'adaptation et nos émotions avec ça. Donc, c'est toute notre structure humaine, en tout cas, c'est quelque part, c'est notre structure humaine de survie. C'est la structure de survie, c'est-à-dire que la structure humaine consciente, vous me dites si vous captez plus ce que je dis, hein, parce que là, je sens que je pars dans mon truc, là, alors des fois, il faut me rattraper. Donc, si vous captez plus, vous me dites. Notre structure humaine, elle est totalement invitée à s'ouvrir, à s'ouvrir, à s'ouvrir pour vivre sa dimension divine. Okay ? Par contre, notre structure humaine qui est liée à la survie, qui est liée aux instincts de survie, elle a qu'une envie, c'est de lutter à l'évolution. Ça va ? Donc, quand on dit « moi, je veux m'ouvrir », il y a une partie de nous qui fait « non, moi, je ne veux pas ». C'est tout simple. Donc, il faut juste regarder cette partie de nous. Et cette partie de nous, elle va vraiment, elle a mis en place plein de stratégies pour ne pas s'ouvrir. Voilà. Donc, le propos, il n'est pas de se flageller, bien sûr. Hein. Il est juste de se dire, OK, moi, je vois bien que je veux m'ouvrir à cette conscience, à la conscience du divin, à la conscience de la joie, de l'amour, de la lumière, de cette puissance de lumière et d'amour en moi, mais il y a une part de moi qui résiste, qui lutte parce qu'elle s'oppose à ce projet-là. Et c'est OK, c'est comme ça pour nous tous. Donc, il s'agit juste de regarder cette structure-là qui elle, dit non, moi, je ne veux pas évoluer, je ne veux pas changer, je ne veux pas du nouveau, je ne veux pas aller plus vers plus d'amour, je ne veux pas aller vers plus de lumière, je veux juste me protéger et survivre. Ça vous parle ? Vous me dites, hein ? Parce que là, je me sens bien partie, alors parle bien. Je pourrais partir loin. Donc, vous me dites hein, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Alors, Anne-Marie. Ah, bienvenue, Anne-Marie. Je suis ravie de te retrouver ici après, effectivement, ces semaines difficiles. Une grosse pensée de soutien pour toi. Véronique, les plus belles victoires. Mais waouh, pas fastoche. Le dépassement des résistances, j'imagine, zone de préservation de notre intégrité psychique. Oui, c'est ça, exactement ça. Ouais, je bois un coup parce que là, je sens que le feu il est en route. Donc, il s'agit juste d'être conscient de ça. Conscient qu'effectivement, à chaque fois qu'on va poser un pas, prendre une décision qui, de surcroît, nous emmène vers quelque chose de un peu différent, même juste un tout petit peu différent hein, de ce qu'on connaît. À instantanément, j'entends le corps de survie en fait. Hein, c'est vraiment une sorte de corps en nous, d'énergie en nous qui va se réactiver et amener ce qu'on appelle les résistances. Donc par exemple, moi dans mon exemple, ben voilà, je décide d'écrire une lettre tous les lundis. Alors là, je vous dis pas. Donc c'était samedi, dimanche, ça a commencé à me faire. Ah ouais, non mais franchement, tous les lundis. Alors enfin, moi j'ai une grosse difficulté avec la régularité. C'est un truc, c'est vraiment un apprentissage. Je
plutôt du genre à m'ennuyer dès que c'est trop régulier. Donc, c'était un gros apprentissage. Donc là, j'ai bien senti toutes mes résistances qui montaient. Ah non, mais tous les lundis, ça va être chiant. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu t'es engagée à faire ça? En plus, je me suis engagée avec personne, hein, juste avec moi-même. Soyons clairs, c'est le pire. C'est le pire. Enfin, avec moi-même et avec mon âme, quoi. Je me suis engagée avec mon âme, en fait. Et donc, je sentais bien la partie de moi qui disait « Non, mais c'est bon, lâche ton truc. On s'en fout. Tout le monde s'en fout de tes lettres du lundi, nanani, nanana. Et puis, oh, et puis ça me fatigue. Et puis, enfin, bref. Vous voyez ? Tout le mécanisme de la résistance, de, je sais, parce que quand je l'ai dit, quand je me suis dit, je vais écrire cette lettre-là, c'était une évidence. Je me suis dit, c'est une évidence, je dois le faire, je vais le faire, ça va être chouette pour moi, ça me met en joie, là, tout de suite. Et puis, je sais que ça va nourrir quelque chose de moi, et je sais aussi que ça va nourrir d'autres personnes, que ça va me nourrir parce que c'est dans ma mission, c'est de partager. Et dans mon idée, c'était bah, je vais parler un peu des énergies du moment, blablabla, blablabla. Et finalement, je vois toutes ces résistances qui émergent. Alors, vous irez lire ma lettre, hein, je ne vais pas vous la redonner. Si ça vous reparle, vous pourrez aller lire. Je vous donne ma recette, mon chemin pour aller au-delà. Et donc, à un moment, je me dis, OK, j'y vais. Je me suis dit que j'allais le faire, je le fais, point barre. Voilà. Et c'est là où, effectivement, il y a vraiment un appel à vivre à l'intérieur un mouvement qui est « Ok, je vois bien tout ce qui se passe là, mais je prends la décision. » Donc là, c'est la décision, c'est le maître en nous hein, qui dit « Ok, j'y vais. Je sais, je vois, j'ai pris cette décision-là, j'ai fait ce choix-là. Il y a une partie de moi qui dit « Non, mais non, 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 non. » Mais moi, ce que j'ai décidé, c'est de continuer ça et de faire l'expérience. Et après, j'aurais fait l'expérience, je pourrais éventuellement réajuster l'expérience si je me rends compte que c'est finalement pas... finalement, ça ne me fait pas kiffer, mais je fais l'expérience. Et je fais l'expérience de la régularité et je vais dedans. Et à partir du moment où je reprends ce pouvoir-là d'être totalement alignée à ma vérité, instantanément revient l'énergie, l'enthousiasme, parce que instantanément, en fait, je ne suis plus dispersée dans mes... mais je reviens là, et quand je reviens là, je suis en lien avec ma vérité profonde, avec donc l'alignement dans tous mes corps, avec l'alignement à mon moi divin, à la terre, et l'énergie de ce fait se rend disponible. Et à partir du moment où j'ai commencé, je vous assure, hein, c'était énorme, à partir du moment où j'ai eu traversé ça, j'ai ouvert mon ordi, j'ai commencé à écrire, je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire. Je pensais dire, oh, ben voilà, on va être en semaine de nouvelle lune, nanana, blablabli. Ça aurait pu être intéressant, mais ce n'est pas ça qui est sorti. Il fallait que je vous raconte cette histoire-là. Je vous raconte cette traversée-là. Et après, j'ai pris conscience qu'en fait, je n'allais pas parler des énergies du moment, j'allais parler de moi. Et de ce que moi, je vivais au quotidien dans mes propres cheminements, dans mes propres décisions, dans mes propres mises en action, dans mes propres transformations, etc. Ça, je l'ai compris au moment où j'ai commencé à écrire. Ce qui veut dire aussi qu'au moment où on peut avoir une idée, on peut acter cette idée-là, traverser les résistances, acter. Et au moment où on le met en acte, finalement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. Ça, c'est souvent comme ça. Parce que quand on prend une décision, on projette un truc. Forcément, on projette un truc. On dit, ah ok, bah, j'ai l'intuition de faire ça. Ok, bon, bah, alors je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça. On le projette avec notre tête en lien avec ce qu'on connaît, en lien avec... ce qu'on a déjà vécu avant, c'est toujours en lien avec le passé. Notre mental ne sait faire que ça. Se projeter vers le futur en lien avec ce qu'il connaît déjà. Donc, quand j'ai une inspiration qui arrive, forcément, mon mental va traiter l'inspiration, va traiter l'idée de mon âme, et mon mental va traiter cette idée en lien avec ce qu'il connaît déjà. Et c'est OK, il suffit juste de le savoir. Parce qu'à un moment... quand on va se mettre dans l'action, là, quand on va le descendre, qu'on va le quitter la zone mentale pour le descendre dans un élan à le mettre en action, c'est là où à ce moment-là, il peut y avoir d'autres inspirations qui vont nous faire quitter la sphère du connu pour aller vers des choses nouvelles, réellement nouvelles. Et du coup, des choses qu'on n'a pas explorées encore, qu'on n'a pas encore expérimentées. Et ça, notre mental, il aime vraiment pas, hein, faut être clair. La partie de nous qui est en mode survie, là, dont je parlais tout à l'heure, elle n'aime pas du tout,
et donc très en lien avec notre mental, je ne sais plus quel cerveau reptilien, je crois, hein, c'est le cerveau reptilien, qui lui dit niette quoi. Moi, je veux que du connu parce que ça me rassure. Donc, il y a un moment où effectivement, il faut lâcher ça pour aller se reconnecter à son alignement, à l'énergie. Et quand l'énergie est là, elle est lente, elle est là, il peut y avoir des nouvelles choses. Et c'est ce qui m'est arrivé là, dans mon exemple tout simple. Quand j'étais sur mon ordinateur, j'imaginais écrire des choses. Et quand j'étais sur l'ordinateur, c'est autre chose qui est venue. Et j'ai laissé faire, bien sûr. Parce que si je bloque là, à cet endroit-là, en me disant « Ah non, non, je n'avais pas décidé d'écrire ça, hein, je vais écrire ce que j'avais prévu dans ma tête », évidemment, là, je bloque le flux. Et là, c'est encore une résistance. Ça aurait été encore une résistance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il s'agit bien d'être totalement conscient. La première étape, c'est d'être conscient de tout ce qui se vit en nous. Et puis, de faire les pas, de traverser. Et quelles que soient les peurs, les doutes, le ressassement, etc., d'y aller. Et dès qu'on fait un petit pas, c'est ça que je voulais nommer, c'est que dès qu'on fait un tout petit pas, mon tout petit pas, ça a été de dire non, non, mais c'est OK, je vais écrire ma lettre, j'ouvre mon ordinateur, je vais sur MailChimp, je mets lettre du lundi et je me mets sur mon clavier. Et là, je ne sais pas vraiment ce que je vais écrire. Et là, ça vient. OK ? C'est comme ça que ça se passe dans toutes les sphères de notre vie. Et donc, on va prendre un temps pour se connecter vraiment, pour intérieurement ressentir qu'on peut aller au-delà de ses résistances. Et ça va vraiment être bénéfique. Sauf qu'il y a un moment, c'est obligé pour tout le monde, il va falloir le mettre en œuvre, le mettre en action, le mettre dans le concret. Parce que tant qu'on fait le chemin intérieur et vibratoire est absolument nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour que ça se transforme dans notre concret. Pour que ça se transforme dans notre concret, dans notre quotidien, pour qu'on ait vraiment le ressenti que notre vie change en fonction de notre rayonnement qui grandit, il y a nécessité concrète d'actionner dans le concret pour la transformation. Et c'est dans ces petites choses dont je suis en train de vous parler. Ce n'est pas forcément, OK, allez, demain, je quitte tout, ma maison, mon mec ou ma chérie, et je prends mon sac à dos et je vais vivre sur une île déserte ou à l'autre bout du monde. Ce n'est pas forcément ça. Même, c'est rarement ça, en fait. En fait, c'est comment là, dans mon quotidien, là, comment quand j'ai une toute petite idée, là, comment j'écoute cette idée, comment je la mets en route. Comment je me focus sur ce que je veux vraiment? Comment je mets toute mon énergie et mon élan dans ça? Comment je prends soin de moi? Comment j'entretiens mon hygiène intérieure et extérieure au quotidien? C'est dans ces toutes petites choses-là que les choses changent. Les grandes décisions ne sont que, j'entends, 2% du chemin, en fait. C'est les toutes petites décisions du quotidien qui font la différence. Alors, je vais lire les petits commentaires et après, on va passer à la vibra. Marie, merci pour ce que tu dis. Je prends conscience de toutes les fuites que Dom me renvoie, fuites de Dom, et me renvoie à quelle peur, quelle résistance j'ai encore en moi. Super, super Marie, ouais. Et oui. Parce que l'autre, effectivement, alors la relation, c'est encore une autre histoire. On en parlera une autre fois, mais c'est effectivement l'autre nous renvoie toujours quelque chose de nous. Donc. Adine, est-ce que selon toi, ton corps qui se ferme est amené à s'élever ? Alors attends, je ne comprends pas bien, Adine. Réexplique-moi. Moi, j'aime ta lettre, recette du lundi. Super, je suis ravie. Et pour être honnête, habituellement, je galère pour lire ce que l'on m'envoie, voire même je ne le lis pas. Oui, moi aussi. La plupart des trucs que je reçois, ça me saoule. Mais écoute, je suis ravie que ça te plaise. Par contre, je ne comprends pas ta question. Est-ce que selon toi, ton corps qui se ferme... Vas-y, attends, je te mets en... Je te réactive. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est... Tu parles de ce corps qui est amené à s'élever. Donc, il y a ce corps-là qui se tient et se ferme. Et ma question, c'est...
Selon moi, tout est amené à s'élever. Selon toi, est-ce que ce corps qui se ferme là est aussi amené à être élevé vers notre je suis, notre je pense notre qu'il est, il est amené à s'unifier avec notre, en fait, il est amené à s'aligner pour moi. C'est-à-dire que, si tu veux, notre corps de matière et notre corps instinctuel, il est… il ne peut pas devenir complètement éthéré et divin, ce n'est pas possible, c'est vraiment de l'ordre de la matière. Par contre, il est complètement, à mon sens, hein, amené à s'aligner, tu vois, à être, je dirais, ordonné, c'est le mot qui me vient, à être ordonné, donc à être mis dans l'ordre et à s'aligner avec notre corps divin et avec notre corps, avec notre conscience humaine. Tu vois, il y a, pour moi, il y a comme s'il y avait trois étages, en fait, et au centre, il y a l'étage de vraiment de la conscience humaine qui doit être au centre, la conscience christique hein, aussi, hein, qui doit être au centre pour vraiment faire cohabiter les deux. Faire unifier les deux, vivre l'unification des deux. Voilà, c'est ma manière de voir, mais je pense que ça correspond à ce que tu nommes une élévation, quelque part, de ce corps. Mais ça reste, pour moi, il reste dans la matière. Mais justement, de ce fait, ça m'amène une autre question. Je me demande si apporter notre conscience sur les résistances qu'on a, on ne reste pas emprunt de ce corps animal. Hein, si je vois ça comme ça. Et donc, de ce fait, notre conscience, elle n'est pas posée sur le fait d'éveiller notre conscience à notre moi divin. Je ne sais pas si je suis comprise là. Si, enfin, moi, je te comprends. Je pense qu'effectivement il s'agit d'avoir, tu vois, moi l'image que j'ai là, c'est notre conscience, elle est au centre et elle doit éclairer l'ensemble, et il s'agit d'avoir un champ, une vision d'ensemble en fait, pour pouvoir non pas rester comment je dirais, rester bloqué justement dans ses instincts et dans ce fonctionnement conditionné quelque part, mais vraiment voir pour pouvoir assumer et élever. Parce que souvent, moi, ce que je ressens, c'est que j'entends ce que tu dis, hein, focusser sur notre moi divin finalement. Et oui, complètement, mais sans oublier de prendre en charge, totalement prendre en charge et d'assumer aussi nos instincts. Parce que sinon, c'est un mouvement qui fait ça, en fait. Et moi, je le vois beaucoup, beaucoup dans les milieux spirituels. Il y a un mouvement où, cet aspect-là de moi, je n'en veux plus. Donc, je fais ça, mais du coup, je ne l'assume pas. Et comme il n'est pas assumé, à mon sens, comme il n'est pas pris en charge, eh bien, il y a une fuite et il y a quelque chose qui s'éterre, enfin, qui devient un peu, pour moi, hein, éthérique. Donc, pour moi, moi, en tout cas, dans mon chemin, c'est vraiment ça. C'est j'assume, tu vois, c'est j'assume le bas et j'assume le haut. Et je suis au centre. Et quand j'assume les deux, mon focus, il est vraiment dans, j'unifie les deux. Donc, j'assume, et c'est vraiment le mot assumer. Parce que je vois, mais tellement, 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 dans plein de milieux spirituels, comment on n'assume pas le côté instinctuel, justement. Il n'est pas assumé, il n'est pas pris en charge. Et du coup, il y a une fuite. Il y a une fuite vers l'astral, en fait, hein, vers les plans a priori divins, mais en fait vers l'astral. Et donc, il s'agit bien d'assumer totalement les deux, d'être en amour avec ces deux, toutes ces parties de nous, pour que ces trois parties de nous s'alignent, en fait. Et dans cet alignement, il y a la fluidité, la joie et la création concrète, c'est-à-dire vraiment la transformation du quotidien. C'est ma façon de voir, Aline. Ok. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Je vais regarder sur Facebook. Alors, Laetitia, oui, ça me parle beaucoup. Super. Véronique, bien. Oui, ça me parle très bien. Ok. Oui, ça parle à tout le monde, en fait. Hein. On va être clair, les résistances, ça parle à tout le monde parce que ça nous concerne tous. Et il s'agit bien de les assumer. Pour moi, c'est vraiment ça. J'ai des résistances, on les assume. On touille pas dedans. Là, je suis d'accord. C'est on touille pas dedans. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui pourraient avoir tendance à
Ah oui, mais nana, je vais touiller dans mon histoire, dans ma blessure, dans mon conditionnement. Dans... Et ça, à mon sens, c'est effectivement... il peut y avoir un temps comme ça pour un peu déceler ce qui se joue. Mais après, il y a aussi vraiment une aspiration à porter son regard au-dessus. Ça, c'est clair. Tout en prenant en charge. Parce qu'on... Voilà. Mais il y a différentes étapes sur le chemin. Donc, je pense que c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'on en est. Alors, Véronique, oui, oui, dans le concret. Et c'est ce qui change tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Véronique, mon expérience me fait dire que le corps s'aligne peu à peu car il est l'intermédiaire entre la matière et le subtil. Il est sur les deux plans en même temps et il nous aide au travers de nos expériences concrètes faire savoir à notre âme où on en est et nos intuitions viennent nous guider pour nous aligner davantage sur sa ligne directrice. Oui, je suis assez... oui, ça résonne bien avec ce que je ressens, Véronique, moi aussi. C'est vraiment... pour moi, c'est vraiment cette, dans cet alignement, effectivement, le corps... Coucou, Abraham. Le corps et le cœur vont vibrer et vont vraiment nous permettre d'être... d'avoir le signal, on en parlait hier avec Florence qui est toujours avec moi et juste derrière, de ressentir le signal de comment je suis alignée, comment je suis connectée à mon âme et en même temps, j'assume qui je suis. J'assume, voilà, ma personnalité en fait hein, et les aspects sombres de ma personnalité et les aspects instinctuels et animaux de mes... Voilà, il s'agit d'assumer l'ensemble de notre être et de ne rien rejeter. Alors Marie, pendant la quête, j'ai eu le mot fidélité. Dans ta quête de vision, tu as eu le mot fidélité. Ok. Donc je soupçonne que c'est une fidélité à toi-même, évidemment. On est bien d'accord. Nathalie, quand savoir que c'est le temps d'arrêter de touiller quand on a marre. C'est clair. Quand on ne peut plus, lol, ouais, c'est ça, exactement. Quand on ne peut plus de touiller le passé, quand tu as un peu la nausée là, quand ça fait oh, et que tu sens que de toute façon, ça ne change plus rien. Voilà. Quand tu sens que ça ne change plus rien et que tu pourrais encore continuer à touiller pendant 10 ans et que ça ne changera pas ce que tu es fondamentalement. À ce moment-là, à mon sens, c'est le moment pour arrêter et complètement focusser sur l'instant présent et sur ce que tu es dans l'instant présent et revenir au centre de soi-même, totalement. Arrêter de regarder à l'extérieur, dans le passé, dans le futur, dans les projections, dans les plans, dans les stratégies, dans ce que font les autres, dans ce que disent les autres et revenir à l'intérieur de soi, au centre. Parce que c'est là, c'est uniquement là que tout s'unifie, que tout s'apaise, que tout se clarifie, que tout se crée. Bon, ben là, je pense qu'on a introduit la vibra. Alors, je vous invite à prendre le temps de peut-être de vous installer confortable, de respirer. Bon, ben moi, je brûle, comme d'hab. Ok, prenez le temps de prendre un grand inspire. Et on va revenir au centre, justement. Je vous invite à... On va faire un petit nettoyage. Vous connaissez mon petit rituel, tout simple. On va dégager le corps émotionnel, justement, vraiment comme si nos mains étaient des aimants et qu'on va aimanter toutes les charges émotionnelles dans notre corps émotionnel et on va les amener à la terre. À remercier la terre mère de prendre en charge, de composter nos émotions. Voilà. Et laisser le corps émotionnel se remettre en fluidité, en circulation.
Oh, on peut sentir instantanément que ça donne envie de bâiller, que ça, ça fait relâcher. Pareil pour le corps mental. Donc, pour le corps mental, je vous propose de mettre, de prendre deux doigts, de les mettre au niveau de, donc, du troisième œil, en lien avec toute la sphère mentale. Deux doigts au niveau soit du deuxième chakra, soit carrément du nombril. Et puis, on va inspirer. Et avec ces deux doigts, en fait, c'est comme deux antennes. C'est deux antennes pour amener vraiment un air neuf et laisser et remettre le corps mental en circulation. Et faire que ça circule dans notre colonne. D'accord ? Donc, on va inspirer avec le nez. Et expirer avec la bouche. Hier, on a fait ça dans le booster air. On inspire l'air et on expire en soufflant dans notre corps mental pour vraiment amener comme un coup de vent, hein, comme un coup de vent dans un ciel nuageux. J'inspire l'air et j'expire dans mon corps mental. Un air frais, neuf. Voilà. Et peut-être je ressens que ça a commencé un peu à dégager. Ça peut tourner un peu la tête. C'est normal. Parce qu'effectivement, ça remet un peu à circuler au niveau mental. Voilà. Et je vais vous inviter à poser vraiment votre conscience. Alors, juste un petit checkpoint, c'est-à-dire juste aller checker chaque point. Voilà, le sommet du crâne et la connexion à la source. Mon coccyx périnée, connexion à la terre. J'amène ma conscience dans ces points pour vraiment ouvrir, voilà, ouvrir mon champ de conscience à mon corps. Conscience de mes voûtes plantaires connectées à la terre. Conscience de l'énergie qui circule dans mon corps entre ciel et terre, du centre de la terre vers mon cœur, vers le sommet de ma tête, de la source de mon moi divin, vers le sommet de mon crâne, dans tout mon corps, jusqu'au centre de la terre, en passant par mes bras, mes mains. Voilà, l'énergie divine, l'énergie tellurique circule dans mon corps. Mes corps sont alignés entre ciel et terre. Et puis je vais poser ma conscience dans mon cœur. Alors je sens un point vraiment très 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 bas, vraiment limite entre le cœur et le plexus. Ouais. Donc je sens limite entre le cœur et le plexus, comme un. J'ai l'image d'une agrafe de soutien-gorge, voyez, un truc qui serre là. Eh bien, je vous invite à ouvrir l'agrafe. Clac. Voilà. Et à mettre, à checker là le point vraiment entre le cœur, chakra du cœur et plexus. Un point qui correspond au, pour ceux qui connaissent les points d'acupuncture, au 17 Janmai. Vraiment au niveau du soutien-gorge en fait. Hein. Même un tout petit peu plus bas. Voilà, je me sens appelée là. Je vous invite à dégrafer. À dégrafer ce point. Voilà. Et du coup, en lien viennent deux points. Un point au niveau de l'occiput, là, vraiment à l'arrière du crâne, la base du crâne. Un point au niveau de l'occiput, juste à base du crâne.
Et un point, vous pouvez mettre vos doigts d'ailleurs si vous voulez. Vous pouvez mettre trois doigts au niveau de votre occiput, ça vous appelle là, la base du crâne. Et un point au niveau, alors, au niveau de l'utérus pour les femmes. Donc là, on va imaginer là, j'ai l'image d'une porte qui soulève. Comment c'était ? D'un pont-levis. Voilà, d'un pont-levis. Ouais, il s'agit de baisser le pont-levis au niveau du point utérus. Alors, chez les hommes, je ne sais pas à quoi ça correspond, peut-être à la prostate. Je crois qu'il n'y a que des femmes ce matin en lien là. Donc, au niveau de l'utérus, c'est comme s'il y avait un. Ouais, je vois un point, c'est un pont-levis à baisser. Donc, je vous invite à. Si ça vous parle, cette image-là, si vous avez une autre image, laissez-vous aller bien sûr dans votre image, dans votre ressenti. En tout cas, moi, je ressens un pont-levis à baisser au niveau de l'utérus. Et pour être exact, connexion utérus et le haut du corps. Et donc, un point au niveau de l'occiput. Là, je vois un ballon. Un ballon avec plein de pensées dans le ballon. Donc là, on va laisser le ballon se dégonfler. Continuer, vous savez, comme un ballon qui se dégonfle là. Et qui continue son chemin et qui, voilà, et qui libère toute la sphère de l'occiput. Et je pose la conscience sur ces points. Donc là, je sens l'appel de ces trois points. Le point au niveau de l'utérus, le point au niveau intermédiaire cœur-plexus et un point au niveau de l'occiput. Je ressens que c'est trois points de résistance avec des... Donc, ces trois endroits qui se ferment, qui se tendent, qui se coupent, qui se bloquent. Quand il y a le processus de la résistance qui se met en œuvre. Alors, je ressens la présence des Elohim qui sont souvent là quand il s'agit de soins, particulièrement de soins vraiment dans notre corps, dans tous nos corps les plus denses, dans les corps physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux. Donc là, je ressens leur présence, qu'ils sont vraiment en train d'œuvrer dans nos corps pour j'entends créer une autoroute en fait, pour que un chemin, vraiment une large voie intérieure se crée dans l'alignement. Donc c'est vraiment une autoroute centrale à l'intérieur de nous. Donc, nous sommes invités à laisser faire, peut-être simplement en vous, si vous sentez qu'il y a des résistances ou des endroits où ça tend ou ça bloque, vous pouvez simplement dire « oui, je suis d'accord, oui, c'est oui, je dis oui hein. ». Oui pour l'autoroute, oui pour la levée des blocages, des résistances, oui pour la remise en circulation. Ouais, j'ai l'image d'une autoroute retour de vacances avec un max d'embouteillages et de voitures, vous voyez ? Vous l'avez l'image là ? Retour sur l'autoroute, blocage au péage. Donc là, ils sont en train de remettre toutes les voitures en circulation et d'ouvrir toute l'autoroute là. Pour que ça circule de manière fluide. Voilà. Nous sommes juste invités à recevoir, à laisser faire, à se laisser totalement ramener dans la fluidité, dans l'axe, dans la liberté, j'entends, dans la liberté. Et j'entends également le mot fidélité, un retour
Fidélité à soi-même. Revenir à soi. Hein. La fidélité, c'est revenir à soi. Je suis toujours avec l'image de l'autoroute et du blocage sur l'autoroute qui est levée, ce qui va permettre effectivement de rentrer chez soi, d'arriver à bon port, de cheminer vers son objectif. Donc laissez venir hein, les mots, les émotions, les ressentis. Posez votre attention là où en vous ça peut être sensible. Là où ça vous appelle tout simplement. Voilà, je sens la présence de l'archange Michaël qui vient aider à la remise en circulation. Je vois des cordes qui sont coupées. Alors là, c'est beaucoup au niveau du plexus, au niveau du foie, de la rate, au niveau des émotions, des attachements. Voilà. Prenez une grande inspiration si vous le sentez, une grande inspiration pour vraiment remplir tout votre être d'un air neuf, remettre en circulation à l'intérieur de vous. En fait, là maintenant, je sens qu'ils sont en train de... Donc, c'est toujours les Elohim hein, qui sont avec nous. Je vois aussi la présence de Jésus. Et ils me montrent la tour de contrôle, en fait. Je suis toujours avec l'image de l'autoroute. C'est excellent. Sur les autoroutes, il y a des tours de contrôle avec des gens qui regardent ce qui se passe. Et là, ils me montrent la tour de contrôle. Donc, la tour de contrôle, c'est vraiment aussi notre vision et notre conscience, notre vision d'ensemble. Et il s'agit vraiment que nous soyons totalement... conscient et vigilant à avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe en nous. Donc, il s'agit vraiment d'être présent et conscient pour avoir cette vision d'ensemble, pour pouvoir agir quand effectivement il y a un blocage quelque part, pour pouvoir amener sa conscience et laisser ramener la circulation à la fluidité. Pour pouvoir aussi aller au-delà en fait du blocage. Hein. Donc là, ça travaille au niveau de vraiment de la vision, de la conscience, de cette capacité à voir ce qui se passe en nous, à constater, à déceler, à éclairer, à regarder. À accepter et à assumer totalement tout ce qui se passe en nous. Tout ce qui est assumé peut être élevé. Tout ce qui est rejeté résiste. Donc il s'agit d'assumer même nos résistances, d'assumer même nos peurs, d'assumer tout, de l'assumer pour pouvoir la laisser se transformer en fait, pour remettre ce mouvement de contraction dans un mouvement d'ouverture. Oh.
Voilà, donc là, il y a vraiment là, un grand, grand travail qui se fait au niveau de la vision et de la mise en fluidité. J'entends les mots conscience et vigilance. Voilà. Maintenant, je vois vraiment la présence des Elohim de Jésus en cercle autour de nous. Vraiment un soutien, j'entends, que nous recevons un soutien, un immense soutien. Alors pour moi, ça travaille beaucoup au niveau de la tête. Là, j'ai des petites douleurs. Donc, je pense qu'il y a des petites résistances, justement, des endroits où ça coince. Voilà. Je dis oui. Je laisse totalement s'ouvrir ma vision. Alors, là, il y a une invitation pour chacune d'entre nous et chacun d'entre nous à titre personnel, si vous sentez que il y a particulièrement des résistances en vous en ce moment, que vous connaissez sur votre chemin, dans vos décisions. Vraiment, vous êtes invité à... En fait, je vois les Elohim qui passent devant chacun d'entre nous avec des sortes de grands paniers et vous êtes invité à déposer ça, voilà, dans les grands paniers, là. Vous pouvez le déposer. Et en échange, ils vous transmettent la confiance, plus de confiance, plus de lumière, de clarté. Ils font passer la poubelle, quoi, en gros. Donc chacun, à titre perso, vous pouvez déposer dans ce panier tout ce qui est le plus évident là, ce qui vous entrave, peut-être une peur, une croyance, quelque chose qui vient là, tout de suite, le truc qui vient là, tout de suite, clac. Voilà, moi par exemple, en ce moment, j'ai une peur et des choses qui montent par rapport à mes enfants, un manque de confiance pour eux, pour leur vie, je dépose là. Aussi déposer, et je vais le nommer parce que je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre nous, quelque chose dont je prends conscience fortement en ce moment, qui est un conditionnement absolument énorme, qui est de la croyance que ça doit être dur dans la vie, la croyance que ça doit être compliqué, que ça doit être dur, qu'on doit souffrir, que ça doit être fatigant, qu'il faut en chier pour mériter. Voilà, ça, je le dépose là. Je le dépose là dans le panier. Parce que ça, c'est une grosse, grosse entrave qui fait que dès que j'ai envie de faire quelque chose, ça fait « Oh, ben non, parce que c'est dur. » Alors que je sais que le chemin de mon âme, c'est simple, simple.
simple et joyeux. Je peux quitter cette totalement ce besoin cette croyance que ça doit être dur. Voilà, vous êtes invité à déposer dans ce panier tout ce qui monte là en évidence en vous, tout simplement. Si vous voulez le nommer aussi sur le chat, c'est possible. Alors Laetitia, quand tu as parlé de la présence des guérisseurs, j'ai vu au même moment un œil humain avec un hibou dedans. Ok, donc la vision. Hein. Et le hibou, c'est vraiment la vision nocturne. Donc je pense qu'il y a quelque chose de fort qui doit être en train d'œuvrer en toi par rapport à ta vision. Alors Adeline, incroyable ce lien avec l'utérus. Bah oui, ta sœur est en lien aussi avec toi. J'ai mal au ventre, pression tempe gauche. Ok, se relâche mon ventre, merci les Elohim. Oui, la peur de me retrouver seule. Ça. Je comprends. Alors, Anne-Marie, je suis totalement en accord avec toi. Notre moi divin ne peut pas s'incarner sans notre corps. C'est ça. C'est bien l'expérience qu'il est venu faire sur cette terre. Donc, aimons-le car il nous sert, oui, évidemment. Il faut s'harmoniser. Une résidence est une source d'inspiration pour avancer. Oui, tout à fait. Dire merci à cela, c'est important. Oui, je suis complètement en accord avec toi, Anne-Marie. Véronique, la conscience est sur le plan subtil ou fondamental et qui s'élargit au fur et à mesure de l'intégration de nos expériences, leçons, etc. Oui, tout à fait. Cette conscience grandit au fur et à mesure de nos expériences et de notre éveil. L'éveil vient avec les expériences aussi, oui, bien sûr. Alors, j'ai repris le fil de la discussion, mais le travail est encore en cours. Hein. Je vois encore le travail. D'ailleurs, je vais arrêter de dire ce mot-là parce que je n'aime pas. Le cheminement intérieur est encore en cours. Ça aussi, hein, ça fait partie vraiment des conditionnements de malade, quoi. Donc, le cheminement est encore en cours. Je vois encore les Elohim qui passent avec les paniers. Je vois des choses qui se déposent dans les paniers. Il y a tout ce que vous avez conscience et que vous êtes en train de nommer et de déposer. Et il y a tout ce que vous, dont vous n'avez pas totalement conscience mais qui est quand même en train de se déposer. Et ouais. Alors j'entends les Elohim et donc il y a Jésus aussi, l'archange Michael. Métatron. Je ne connais pas bien cette présence, c'est pas souvent qu'elle est là. Ah oui, alors Métatron, je sens que c'est pour l'énergie de l'action en fait. Ah, Michael aussi d'ailleurs. Parce qu'ils nous disent bien, moi ce que j'entends, hein, c'est fort, c'est que tout ce cheminement intérieur ouvre des portes, mais ne nous fera pas faire l'économie de la mise en action et de la transformation par la mise en action. Parce qu'effectivement, nous avons fait le choix d'être présent dans cette incarnation et de faire cette expérience justement dans le corps et dans l'incarnation et dans la matière. Et on a fait ce choix-là. Et j'entends vraiment
à quel point il est vraiment super important qu'on reprenne en considération que c'est joyeux ce choix-là. Que c'est pas ah non, mais c'est trop dur, c'est trop relou, c'est trop nanani, nanana. Non, c'est joyeux. C'est un choix qu'on a fait et qui est profondément, profondément, profondément joyeux et enthousiasmant. De vivre cette expérience-là, dans la matière, dans cette vie-là, dans ce corps-là, peut-être d'autres aussi hein, en même temps, on ne sait pas, mais en tout cas là, avec qui je suis là aujourd'hui, à cette période-là particulièrement, que c'est un choix qu'on a fait et qui est vraiment, vraiment joyeux et enthousiasmant. Et que donc, effectivement, il s'agit d'arrêter de croire que c'est une contrainte, en fait. Je vais déposer ça, tiens, dans le panier, là, consciemment. D'arrêter de croire que c'est une contrainte, que c'est compliqué, que c'est dur, qu'on n'a pas voulu ça, qu'on serait mieux sur d'autres plans. Parce qu'en fait, là, je sens vraiment au contact des Elohim et de Jésus et de l'archange Michael, de la joie et de l'enthousiasme qui est aussi le nôtre dans notre essence à être là, quoi, à faire partie de ce chemin-là et cette expérience-là. Et à vraiment créer dans cette matière exactement. Alors là, je nous vois en train de travailler la matière de notre vie, de notre être, de nos choix, de nos décisions, de nos mises en action, de nos créations, de créer exactement ce qui nous fait vibrer et ce pourquoi on est venu sur cette terre. Et ce pourquoi on est venu sur cette terre, c'est ce qui nous fait vibrer. D'accord ? C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous met en joie, c'est ce qui, là, aujourd'hui, dans l'instant, fait oh, « ouais, c'est trop bien, je suis trop content. » Ouais, voilà. Et donc, vraiment, je sens bien que parfois, partout aussi dans les milieux spirituels, il pourrait y avoir une sorte de… un peu de rejet en fait de l'incarnation parce que alors attendez comment j'entends comment ça me dit ce que ça me dit ouais, il s'agit de se souvenir que au fond de nous être là sur cette terre là dans notre corps dans notre personnalité dans notre histoire. Même dans notre histoire, dans notre passé, dans tout ce qu'on est là, même dans nos blessures, c'est une fête. C'est ça, en fait. J'adore le sourire d'Aline que je vois et qui dit « Ah, mais tellement !» C'est tellement ça. Et oui, parce que dès que tu te reconnectes à ça, que même ce que tu es là, qui te paraît lourd, qui te paraît compliqué, qui peut te paraître vraiment pas joyeux, en fait, juste derrière, si tu creuses un tout petit peu, si tu regardes juste derrière, tu te rends compte qu'en fait, c'est une fête. Parce que c'est vraiment totalement parfait pour venir incarner ce que nous sommes dans cette vie. Et c'est une fête. Et c'est une fête, une vraie fête. C'est pour ça qu'il faut célébrer. Célébrer chaque pas que nous faisons, célébrer chaque prise de conscience, célébrer chaque petite étape comme, voilà, ah ouais, j'ai pris cette décision et j'ai maintenu et je suis allée au-delà et j'ai fait ça et j'ai réussi à faire ça, ouais. Il faut célébrer, nourrir la fête. Ah, alors, Aline, la peur de me retrouver seule, le mythe humain me vient depuis 2 jours, qui est parfait.
Je comprends pas. Il faut que tu... Si tu veux me réexpliquer plus, c'est bien, mais là, je comprends. Me réécrire plus, parce que là, je comprends pas. Alors, Nathalie, très puissant en ressenti physique. Pour la première fois au début de la séance, je n'ai pas ressenti de douleur au niveau des deux doigts sur le front. Génial, super, tant mieux. Par contre, les doigts sur l'occiput dur, ouais. C'est un gros, gros. L'occiput, c'est tu vois, c'est l'équivalent de ce point-là à l'arrière. Et au niveau de l'occiput, c'est là où sont accrochées toutes les formes pensées et les égrégores. Et donc, quand justement on sent qu'on est un peu embarqué dans notre mental, vous pouvez vraiment vous réaligner et mettre trois doigts au niveau de l'occiput, ce qui va vraiment permettre de faire lâcher au moins momentanément, quelques secondes, tout l'espace des formes pensées. Et donc, vous ramenez dans l'alignement. Donc, ça peut être très, très sensible, bien sûr. Jusqu'à me donner les nausées. Oui, parce que tu vois, si tu quittes le, si tout ce qui, les formes pensées là, qui peuvent émerger et sont collées à toi, tu les dissous, eh bien, à un moment, tu te remets dans l'alignement. Et du coup, ce qui peut être coincé dans le fameux autoroute, là, le fameux blocage au péage, eh bien, il peut se remettre en mouvement et ça peut créer des nausées, des vertiges, envie de vomir, des douleurs à droite, à gauche, évidemment. Pas confortable, mais le signe que ça se remet en circulation. Je les ressens encore avec un nouveau blocage au niveau de la gorge, maux de tête. Bah oui, voilà, tu vois, remise en circulation dans l'axe. Donc, du coup, tu sens les blocages. Oui, bah oui, il manque, c'est ça, c'est les résistances que d'un coup, tu les sens. C'est-à-dire que, en fait, quand on est éparpillé dans nos pensées, on ne les sent pas, les résistances. Si on décide de se remettre en lien avec soi-même, le premier constat qu'on fait, c'est les résistances. Alors, du coup, on se dit, ah bah non, bah tu vois, ça ne va pas le faire. Donc, il s'agit de se maintenir dans notre axe, dans notre décision et de ramener la circulation pour que ça lâche, pour que les résistances lâchent. Alors, Adine, je mets dans le panier le mythe humain qui est venu à ma conscience depuis 2 jours. Voilà, c'est plus clair. Ça y est, j'ai tout compris. Ok, super. Nathalie, ok. Ce qui est parfait, c'était ce que tu exprimes pendant l'accueil des énergies. D'accord. Génial. Alors, sur Facebook, est-ce qu'il y a des personnes qui ont quelque chose à témoigner? Alors, Karine, croyance à jeter que ce n'est pas pour toi. Ah oui. Oui, que c'est pour les autres, mais pas pour toi, c'est ça? Que tu n'es pas la bonne personne? Je la connais bien, celle-là aussi. Génial, et bien dans le panier. Merci, Karine. Anne-Marie, pendant la vibra, une envie de vomir. Oui, donc même expérience que Nathalie. Blocage au niveau du cœur est parti, mais une boule au niveau de la gorge et de la thyroïde. Ok, donc vraiment le processus est encore en cours. Tu peux vraiment juste sentir qu'est-ce qui coince là au niveau de l'expression. Hein. Et si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Tu remets dans le panier. Tu offres. Tu vois, ça me fait... Voilà, tu remets dans le panier. En lien avec des... C'est en lien avec des conditionnements, enfin des limitations à l'expression de toi-même. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont encore envie ou besoin de commenter ou de témoigner de ce que vous vivez? Alors, intérieurement, ouais, je sens que les Elohim sont toujours très très présents. J'entends que le processus va encore durer quelques heures dans cette journée. Il vous est proposé de boire, de continuer à respirer pour ramener la circulation et d'actionner
d'actionner en lien avec vos, les petites idées que vous pouvez recevoir, que vous pouvez intuiter, toutes les petites choses. Soyez à l'écoute des petites choses dans votre journée, dans votre quotidien. Quelles sont les petites choses qui me viennent et que je peux mettre en action? Et comment, si je vois une résistance émerger, je peux juste dire « Ok, je vois, je me remets dans l'axe et je pose mon action. » Et je ressens la, vraiment l'invitation de vous proposer de partager sur le groupe Arc-en-Ciel si vous, s'il y a quelque chose qui se vit dans la journée ou dans la semaine en lien avec des... Voilà, avec ce genre de cheminement et des résistances qui émergent et comment je vais au-delà de ça. D'ailleurs, je voulais témoigner. Merci Laetitia pour ton partage sur le groupe Arc-en-Ciel, sur ta proposition. Et c'est génial. Voilà. Allez-y, allez-y. Si vous avez des idées, mettez-les en œuvre. Et si c'est respectueux du groupe Arc-en-Ciel, bien sûr, vous pouvez les mettre en proposition dans le groupe Arc-en-Ciel. Donc, par exemple, un lien avec un coloriage gratuit téléchargeable, c'est super. Tu peux le mettre sur le groupe Arc-en-Ciel, c'est un bonheur. Et si vous avez d'autres idées de ce genre-là, surtout, allez-y, partagez vos idées, vos créas, vos envies et aussi vos résistances, parce que dans ce soutien-là, ça peut vraiment être très, très aidant pour aller au-delà des résistances. Je ne sais pas comment tu l'as senti, Laetitia, par rapport à ton message, mais moi j'ai senti que le retour de chacun était vraiment soutenant et aidant par rapport à ton idée et voilà, vous pouvez tous en profiter, donc allez-y. Alors Nathalie, que faire concrètement pour que ces mots disparaissent, dis mon mental, tes mots intérieurs, physiques? Tu as déjà les réponses, oui c'est clair. Et oui, je peux exprimer des solutions, des pistes à explorer, mais les réponses, les uniques réponses, tu les as à l'intérieur de toi. Ça, c'est clair. Et physiquement, ok. Eh bien, moi, mes pistes, quand effectivement je sens que je ne suis pas bien ou quand j'ai une douleur quelque part, ça va être respirer, ça va être aller dans la nature, ça va être créer. Ça va être qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, ça va être m'automasser par exemple si vraiment voilà, s'il y a des sensations, ça va être vraiment être au contact de me dire ok, là je sens qu'il y a un blocage mais je sais aussi que j'ai une âme et que j'ai un moi divin, voilà, donc j'assume tout, j'assume le blocage et la résistance et la douleur et j'assume aussi que j'ai toutes les solutions et tout et que, à un autre niveau, il n'y a pas tout ça, tu vois. Il y a vraiment les deux. C'est assumer les deux niveaux, en fait. Et dans cette conscience et du coup, coopération des deux niveaux, ça peut s'alchimiser et se transformer. Des fois, ça prend quelques jours. Des fois, ça prend quelques semaines. C'est comme ça. C'est un chemin. Mais physiquement, par rapport aux douleurs, bah, par rapport à la tête, voilà, ça va être vraiment plutôt massé, respirer, etc. Puis si vraiment ça ne passe pas, je prends un efferalgan, hein, on va être clair. Je ne suis pas... voilà. Moi, personnellement, je suis fermée à rien. Donc, des fois, quand j'ai mal, je prends un médicament. Quand c'est trop pénible. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'Adeline est en train de taper, alors je vais attendre 2 minutes. J'espère que vous vous sentez bien. Je sens que c'est encore vraiment vraiment en process en cours, hein. Work in progress intérieurement. Alors Adeline, en tout ici Abraham s'est endormi et pour moi c'est vraiment le fait du relâchement des résistances. Yes. Clairement, ouais. C'est génial. Petit loulou. Laetitia, oui, j'ai senti beaucoup de soutien, d'encouragement. Merci à toutes.
J'ai senti toute l'énergie bienveillante que vous m'avez envoyée, une grosse boule de confiance en moi. Merci encore. Merci Laetitia de ton partage. Merci d'avoir osé et merci de ton partage là parce qu'effectivement, c'est tellement ça. Donc, oser profiter de cet espace qui, j'en suis garante, sera un espace bienveillant pour offrir, pour mettre en partage vos idées, vos envies et voir quel est le retour. Et comment, pour soutenir, pour vous soutenir les unes les autres, les uns les autres. Oui, Adine, tu dis, c'était pas gagné qui est dedans. Bah ouais. Donc, Donc, ça montre bien qu'effectivement, il y a... Je vois les Elohim qui le bercent. Tu vois, qui l'ont bercé pour qu'il s'endorme. C'est clair. C'est trop beau. Génial. Eh bien, si vous n'avez plus de questionnements, on va se quitter pour aujourd'hui. Alors, Anne-Marie dit « Aujourd'hui à mettre en œuvre pour moi, me dire merci pour ce que je suis, ne rien prouver aux autres, être moi sans rien vouloir prouver aux autres, pas de compétition. » Oui, c'est ça. Merci Anne-Marie pour ce partage-là. Laetitia, avec plaisir, je vous ferai un dessin à imprimer vous-même. Ouais, super. Carrément. Génial. Eh ben, je vous remercie pour ce beau temps partagé. Merci pour votre présence à toutes. C'était que des femmes aujourd'hui, souvent. Ah oui, il y avait Abraham. Désolée, il y avait Abraham. Eh bien, merci pour votre présence à toutes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine Vibra mardi prochain à 10h, la prochaine lettre lundi prochain dans votre boîte aux lettres. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter et à cette lettre, n'hésitez pas à vous réinscrire. Je vais vous remettre le lien. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une super, super belle semaine. Et je dis à très vite à mes amis de l'espace Booster d'âme que je revois très vite. Yes. et à mardi prochain pour tous les autres. Je vous embrasse tous. Belle journée. Merci à tous. Merci à ceux qui étaient sur Facebook.